de la crise, nous n'avons jamais fermé nos agences ni l'ADR. Je partais le matin et je rentrais très tard le soir. Côté pro, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup d'organisation, beaucoup d'équipes à maintenir à flot parce que nous avions des gens sur le terrain qui se battaient au quotidien, puisqu'on est présent au niveau santé et hospitalier. Lorsque l'hôpital de Saint-Dizier a ouvert 3 services Covid, je vous promets que c'est une vraie partie de manivelle que d'expliquer aux gens qu'il va falloir aller au front et à la bataille et ne pas reculer et rentrer dans les services pour faire le nettoyage et la désinfection. Oui, on a découvert de nouvelles facettes à notre métier et bon, on pourra dire on y était. La bataille au quotidien était d'éviter de mettre mes équipes en chômage partiel parce que au-delà du problème que nous rencontrions, l'objectif était de ne pas y rajouter des problèmes financiers. Donc à part des salariés où les clients étaient fermés, l'ensemble de mes équipes n'ont pas eu à souffrir du chômage partiel. Redémarrer avec le sourire, retrouver du bonheur. L'envie, on l'avait avant le Covid, on l'a eu pendant le Covid, l'envie de continuer à créer, de continuer à avancer. Donc demain, ensemble, ce qu'on peut souhaiter tous les deux, c'est oui, pouvoir se resserrer dans les bras les uns les autres, pouvoir s'embrasser les uns les autres, parce que cette saloperie de Covid et de coronavirus sera derrière nous et qu'on retrouvera le bonheur de se retrouver.